Bien, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, parce que sinon, ça n'a pas fait. D'abord, je voudrais vous adresser des félicitations. Merci. Dans chacune des écoles, vous avez été élu, délégué, conseiller, et donc vous allez nous aider, vous allez nous aider à faire connaître mieux ce que fait la mairie, vos petits camarades. Et vous ferez sans doute des propositions. Je voudrais d'abord vous présenter les deux personnes qui sont à ma gauche. C'est Françoise Juel, d'abord, qui est chargée, qui est maire adjointe et qui s'occupe notamment de l'école et de l'enfance. Un peu plus à ma gauche, Laurence Galmeyer, qui est conseiller délégué. On ne sait pas bien tout ce que c'est qu'un conseiller délégué. C'est la même chose que maire adjoint, mais et bien qui s'occupe, lui, d'une chose très intéressante, passionnante, d'ailleurs, à mon avis, j'aurais bien aimé faire à une époque, c'est de demander aux citoyens, c'est-à-dire aux hommes, aux femmes, aux enfants, de participer à la vie, de choisir et savoir comment ça marche, comment la ville s'occupe de vous, s'occupe de tout ce qui se fait, de tout ce qui fait la vie. Ce que je sais d'aujourd'hui, c'est qu'on va vous dire à tous et à toutes, eh bien, voilà, vous avez des questions, une question à résoudre. Ça va vous permettre d'aller visiter, je crois, deux services, c'est bien ça, ce qu'on appelle des services RP. Un service, c'est derrière avec des élus, il y a, vous allez voir, des hommes et des femmes qui mettent en œuvre ce que les élus ont décidé. Alors, on va aller au service des archives. On a une projection de diapositives. Bon, on y va. Vous me suivez? On va pas aller à la télé. On va passer par là. Alors, en quelle matière? En verre. En cire. Alors, ce n'est pas du verre. Ça casse aussi, mais ce n'est pas du verre. Du truc là. Ça râline. Du cire. Vous en avez chez vous? La porcelaine. Non, ça se casse. Du béton. Ça casse. Qu'est-ce qui casse? Vous en avez chez vous? Les assiettes. Voilà, c'est de la même matière que les assiettes. C'est de la céramique, on appelle de la faïence. De la faïence. De la faïence. C'est la faïencerie. C'est par exemple le carrelage dans votre salle de bain, c'est de la faïence. De la gauche. Alors, là, vous reconnaissez la Seine. Ça, c'est Choisy-le-Roi, il y a encore plus longtemps, c'est au XVIIIe siècle, quand il y avait un château. Et il y a eu le château. Alors, le château, où est-ce qu'il est? Choisy-le-Roi, c'est du là. Il doit être là, là. Voilà, ça ressemble à des jardins, ce quadrillage. Oui. Les jardins du château, et le château est ici. Ce et sont ces bâtiments. Bien. Je me suis présentée au Conseil citoyen des enfants pour améliorer mon école et les autres écoles et aider les citoyens de la ville de Choisy-le-Roi. Je m'appelle Inès et je me suis inscrite au Conseil citoyen parce que je voudrais améliorer la ville pour que plusieurs personnes se sentent mieux dans leur ville. Je veux être citoyen de Choisy-le-Roi pour aider les pauvres, pour donner des choses qui manquent à Choisy-le-Roi, pour améliorer Choisy-le-Roi, pour
mettre plus d'activités dans au centre, la propriété de Choisy-le-Roi et arrêter de jeter des saletés par terre. Je me suis présentée pour améliorer la ville, qu'elle soit plus propre, qu'il y ait moins de bagarres, que la ville soit comme avant, mais beaucoup plus saine et tout. Pour moi, la citoyenneté, c'est aider les gens, aider à changer des choses, aider les personnes qui veulent changer des choses. Par exemple, ils veulent que leur maison soit plus belle, propre et tout, que leur bâtiment soit plus propre, que ça soit plus calme. Et ben, nous, on est là pour les aider et pour dire nos idées à monsieur le maire. Et après, c'est voyant de lui s'il veut ou s'il veut pas, s'il peut ou s'il peut pas changer ça. Vous cherchez quoi là, les enfants? Les services enfants, les services enfants. Alors, est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui peut m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Il faut qu'on inscrit à une... comme il y a une famille, ils viennent habiter à Choisy, il faut qu'on inscrit leurs enfants dans les écoles pour la cantine. Et il y en a déjà une inscrite au collège, elle s'appelle Nawal. Et puis il y en a un enfant, il faut qu'on inscrit Yazid à l'école. Yazid à l'école. Alors, je vois que vous êtes déjà venu alors nous voir, puisque vous avez le document qui permet de faire l'inscription. Alors, je prends. Alors, il manque des petites choses, hein. Il faut que ce soit un peu plus complet. Donc, c'est un enfant de quelle année? Parce que je vois 2004. 2004. Alors, il faut le rajouter. C'est un enfant qui doit rentrer à l'école maintenant ou simplement à partir de septembre? À partir de septembre. Oui, parce qu'il vient d'habiter à Choisy. D'accord, donc il est toujours sur son école dans la ville où vous avez déménagé. Oui. Hein, et donc il vient vers nous à partir de septembre. Quand il allait à la cantine, le forfait, pour le centre, quand il reste le matin, l'après-midi, ça fait la journée. On a vu combien il faut les payer, et on a réglé pour l'inscrire à l'école. Pour inscrire un enfant à l'école? Oui. Ça t'a intéressé, ça t'a plu? Oui.